Ravi de vous retrouver dans une nouvelle édition d'information. Donc voici les titres. Les forces de sécurité mauritaniennes renforcent leur technique d'enquête sur le trafic et la traite des migrants dans le cadre d'un soutien de l'Union européenne. Des membres du gouvernement ont commenté mercredi après-midi les résultats du Conseil des ministres qui s'est déroulé plus tôt dans la matinée. Un chapitre plutôt économique, la Banque centrale de Mauritanie, BCM, a annoncé jeudi 15 juin la création d'un billet commémoratif de 50 Ulia à l'occasion de la célébration du 5e anniversaire de la création de l'Ulia du 8 juin 1973. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour suivre cette nouvelle session d'information. Le président mauritanien Mohamed El Cheikh Razouani s'est entretenu mercredi à Nouakchott avec une délégation du Fonds monétaire international qui a abordé les domaines de coopération entre la Mauritanie et la société financière internationale. Selon Félix Fischer, chef de la mission du Fonds international, les entretiens ont porté sur la situation économique en Mauritanie et les programmes du gouvernement mauritanien soutenus par le Fonds monétaire international notamment, ainsi que sur les réformes que le gouvernement mauritanien entend mener afin de renforcer les capacités économiques et financières. Comme j'ai dit tantôt dans les titres, des membres du gouvernement ont commenté mercredi après-midi les résultats du Conseil des ministres qui s'est déroulé plus tôt dans la matinée. Il s'agit des ministres de l'équipement et des transports, porte-parole du gouvernement Nani Oulishroka, et des ministres des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamoudou Kane. À cette assise des membres de l'exécutif, le ministre des Affaires économiques a déclaré que la communication vise à faire le point sur la préparation du recensement général de la population et de l'habitat. Il a ainsi expliqué que les Nations Unies recommandent de faire cette opération tous les 10 ans, notant que la dernière en date remonte à 2013. Le ministre a rappelé que le RGPH, initialement prévu mi-mars 2023, a été repoussé à la mi-novembre 2023. Il a motivé ce report par des contextes électoraux qui a suscité un mouvement important des populations à travers le recensement administratif à vocation électorale, la campagne et les élections. Pour ce qui est du choix de novembre, le ministre a affirmé que c'est le moment propice car ce sera après l'hivernage et la rentrée des classes. Il avait été prévu en 2022 d'entamer ce recensement. En 2023, comme c'est prescrit par les Nations Unies, tous les 10 ans, il faut en faire. Et que l'étape de dénombrement était prévue pour le premier trimestre 2023, pour être plus précis, au cours de la deuxième quinzaine du mois de mars. Il y a eu entre-temps la préparation des élections. Il y a eu le ravel. Il y a eu les mouvements de population pendant cette période électorale. Ce qui n'était pas propice à une opération de ce genre qui demande à ce qu'il y ait une certaine forme de stabilité des populations dans le lieu de résidence. Il a fallu donc reporter cette date de dénombrement de la population. L'objet de la communication était d'informer le Conseil des ministres que le dénombrement des populations est reporté à la première quinzaine du mois de novembre 2023, Inch'Allah. En ce qui concerne le projet de décret relatif à l'approbation de la convention d'établissement signée entre la Mauritanie et la société Emirati Onyx, filiale de BSR Holding, un des plus grands investisseurs d'Abu Dhabi, le ministre a précisé que le projet permettra la mise en place d'un complexe touristique important s'étendant du nord de Nouakchott au sud du Bandarguin avec une enveloppe de 65 milliards d'ougis anciennes. Il a ajouté que le complexe sera composé d'un hôtel 5 étoiles, des terrains de golf, de 100 chambres, une marina, des restaurants et des salles de conférence entre autres. Pour ce qui est du projet décret, il s'agit d'un important projet touristique, le premier du genre dans notre pays, qui va coûter de l'ordre de 65 milliards d'anciens ougis, qui sera installé au nord de Nouakchott, juste au sud de Nouamghar, au sud donc du Bandarguin, qui devrait consister à construire et à gérer un hôtel 5 étoiles avec 100 chambres, 23 chalets,
une marina, une salle de conférence, plusieurs restaurants, des golfs, etc., qui devraient être installés donc, au nord de Nouakchott. L'investisseur est une filiale, Onyx, est une filiale dans une société holding, DSA Holding des Émirats, de Abu Dhabi, des Émirats Arabes Unis d'Abu Dhabi. De son côté, le porte-parole du gouvernement a déclaré que le repos biologique suit son cours et que la reprise de la pêche est prévue généralement le 1er juillet de chaque année. Concernant les résultats de l'autopsie du corps de feu Omar Diop fait à Nouakchott et les examens effectués au Maroc, le porte-parole a affirmé qu'il n'y a aucune contradiction. Il a estimé que la famille du défunt a accepté les résultats et que l'enterrement s'est déroulé normalement. Le porte-parole a aussi fustigé ceux qui instrumentalisent l'affaire. Il a d'ailleurs pointé du doigt les acteurs politiques qui, d'après lui, devraient faire preuve de plus de responsabilité, car personne n'a fait état des désagréments causés à ceux dont les biens ont été incendiés et d'autres qui ont été empêchés d'aller au travail. Les forces de sécurité mauritaniennes renforcent leur technique d'enquête sur le trafic et la traite des migrants dans le cadre d'un soutien de l'Union européenne IE durant 2 mois. Des spécialistes de différentes forces de sécurité de la Mauritanie ont été formés dans le cadre du projet financé par l'Union européenne IE, partenariat opérationnel conjoint POC Mauritanie aux techniques d'investigation sur le trafic et la traite des migrants et à la saisie des sources de renseignements. L'objectif du projet est la lutte contre le trafic illicite des migrants et la gestion de la migration irrégulière dans le pays. Les formations ont été mises en œuvre par une coopération espagnole avec le soutien des spécialistes de la police nationale. Le projet européen POC Mauritanie est mis en œuvre dans le but de renforcer les capacités des forces de sécurité du pays dans la lutte contre le trafic et la traite des migrants et la gestion de la migration irrégulière. C'est justement ce que rappelle l'ambassadeur de l'Union européenne qui a assisté à la rencontre. Cette intervention, financée dans le cadre du Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique, cible la lutte contre le trafic illicite de migrants et répond donc aux priorités de l'Union européenne. C'est dans ce sens que nous profitons de cette occasion pour mettre en valeur les efforts réalisés pendant 13 jours par notre partenaire de mise en œuvre FIAP et nos partenaires gouvernementaux, la Direction générale de la Sûreté nationale, la Direction de la police de l'air et des frontières et l'OCARTIMTEH, qui ont abouti au renforcement des compétences des membres des forces de sécurité mauritaniennes aux techniques d'enquête dans le domaine du trafic illicite de migrants et la traite des êtres humains. Cette formation s'est déroulée en 6 modules de formation entre le 25 avril et ce 15 juin 2023. Des personnels de la Direction régionale de la sûreté de Ouagadougou, de l'École nationale de police de Mauritanie, ainsi que quelques membres de la gendarmerie et des gardes-côtes y ont participé. Mais la formation s'adressait particulièrement, entre autres, au personnel de l'Office central de répression du trafic illicite des migrants et de la traite des êtres humains. L'activité s'adressait en outre aux personnes chargées d'enquêter sur les crimes de traite et de trafic des êtres humains ou des crimes connexes dans les unités brigades ou groupes appartenant, ainsi qu'aux responsables de la gendarmerie, de la garde-côte et de la partie mauritanienne de l'équipe d'enquête conjointe à Ouagadougou. FIAP, comme vous le savez, s'inscrit dans le cadre de l'action extérieure de l'État et de l'Union européenne. C'est une institution du secteur public espagnol intégrée dans le système public de coopération espagnol et européen, est spécialisée dans la promotion et la gestion de la participation des institutions des administrations publiques dans des programmes et projets de coopération internationale qui s'emploient à améliorer les cadres institutionnels et le fonctionnement des systèmes publics dans les pays où elle opère, par le biais de projets d'échange d'expérience entre administrations publiques et l'accompagnement à la réforme et à l'amélioration des politiques publiques. Et c'est dans ce cadre que nous sommes là aujourd'hui pour mettre la touche finale à l'une des principales formations réalisées dans le cadre du projet POC. Une formation qui pendant 13 jours, au total 91 heures, a permis de renforcer les compétences de 14 membres de la direction de la police de l'air et des frontières
de l'Office central de répression du trafic illicite des migrants et de la traite d'êtres humains. L'un des officiers mauritaniens qui a suivi la formation a tenu à rappeler que la Mauritanie, jadis, était un pays de transit et aujourd'hui, avec l'avènement du gaz et du pétrole, devient un pays de destination. Et la formation aux techniques d'enquête sur les trafics et la traite des migrants et la saisie des sources de renseignements apportées sur les concepts génériques de la traite et du trafic des êtres humains au niveau international. Le crime organisé, la coopération policière, l'identification et le traitement des victimes de la traite des êtres humains, ainsi que des personnes victimes de la traite dans une perspective de protection des droits des migrants. Une partie importante de cette formation a été consacrée à la collecte d'informations auprès d'informateurs, à leur gestion et au renseignement en tant qu'outil d'enquête sur ces crimes. Les formations ont été dispensées par divers experts nationaux et internationaux de la police nationale espagnole, de la police mauritanienne et du ministère mauritanien de la Justice. Justement, l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes, le trafic illicite de migrants issus du commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et en relation avec la société civile, a annoncé la mise en ligne du numéro vert 1916 pour signaler le cas de traite d'êtres humains et de trafic de migrants au cours d'un atelier de sensibilisation organisé ce jeudi à Nouakchott en partenariat avec l'Association mauritanienne pour la santé mère et enfant. L'instance a passer en revue les objectifs recherchés à trouver ce numéro vert gratuit et accessible à tous. Il s'agit par le biais de ce numéro de recevoir des signalements liés au cas d'esclavage traditionnel, au travail forcé, à la contrainte, à la mendicité, à l'exploitation sexuelle, à l'exploitation d'enfants dans des activités criminelles et au trafic migrant. D'autre part, le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile avait aussi lancé mercredi une formation en profit de 25 congés sur le domaine humanitaire et les interventions d'urgence. La formation qui s'étale sur 3 jours s'inscrit selon le commissaire adjoint aux droits de l'homme, M. Rassoul Khal, dans le cadre de l'implication de toutes les organisations dans la politique d'action humanitaire. La Banque centrale de Mauritanie, BCM, a annoncé jeudi 15 juin la création d'un billet commémoratif de 50 Ougia à l'occasion de la célébration du 5e anniversaire de la création de l'Ougia, 18 juin 1973, ou la 50e plutôt. Le choix des billets de 50 est le symbolique correspondant aux 50 ans d'existence de la monnaie nationale, mais aussi le fait que ce billet est celui qui circule le plus dans les échanges commerciaux quotidiens et présente des caractéristiques de sécurité évidentes. La Banque centrale de Mauritanie, BCM, a pris en outre un ensemble de mesures pour célébrer le 50e anniversaire de la création de l'Ougia, monnaie nationale, le 8 juin 1973. C'est ce qui ressort d'un communiqué de la BCM produit ce jeudi, dont je vous donne lecture de sa teneur intégrale. Dans le cadre de la commémoration du 50e anniversaire de la création de l'Ougia, monnaie nationale, le 18 juin 1973, la Banque centrale de Mauritanie a pris un ensemble de mesures pour célébrer cette date historique. Les bâtiments de la Banque centrale de Mauritanie ont connu une réhabilitation et une modernisation complète tout en conservant le caractère architectural originel du siège. Parallèlement à la modernisation des bâtiments, des efforts sont également menés pour une mise à niveau des dispositifs techniques pour être en adéquation avec l'ère de la transformation numérique. Les activités comprennent également une nouvelle étape importante devant être annoncée au cours des prochains jours, en prenant comme référentiel les symbolismes du chiffre 50 et une série d'activités commémorant cet événement important qui symbolise la souveraineté monétaire du pays et son indépendance économique. Madame Fatimatou Mint Abdelmalek, présidente de la région de Nouakchott, présidente de cités et gouvernements locaux INI en Afrique, a participé mardi à Bruxelles à l'ouverture du sommet urbain de Bruxelles organisé en coopération entre la ville de Bruxelles,
l'Organisation des villes européennes, l'organisation Metropolis et les présidents des villes qui défendent l'initiative de l'OCDE pour une croissance inclusive. Le sommet vise à relever les défis auxquels sont confrontées les villes dans le monde de nos jours, tels que le changement climatique, la migration, la croissance, les inégalités urbaines et le logement adéquat. N'ayant pas obtenu 1% du nombre total de voix aux élections municipales de 2023 et 2018, le Parti des Blocs Mauritaniens, le mouvement des jeunes pour la patrie, le Parti du Ribat National pour les droits et la construction des générations, le Parti républicain pour la démocratie, et le renouveau ex-PRDS ou de Willem Taïa et le parti Construction et Progrès sont en train de vivre leur dernier moment. En effet, jugées insuffisamment représentatives, ces formations seront dissoutes par la force de la loi et vont ainsi rejoindre, entre autres, le PLEJ, le MPR, la FCD. En mars 2019, 76 des 105 partis politiques mauritaniens avaient été déjà dissous par la force de la loi, selon un arrêté du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation. Cette décision avait été fondée sur la loi sur les partis politiques dans l'incapacité de présenter des candidats à deux élections ayant obtenu moins de 1% des suffrages exprimés lors de chaque scrutin, ou qui n'ont pas participé à deux élections municipales consécutives. Le 14 juin 2023 célèbre la Journée mondiale du donneur de sang dans le monde entier. Cette journée offre une occasion spéciale de rendre hommage aux donneurs de sang volontaires du monde entier et les remercier pour leurs dons. Elle est devenue un axe majeur de l'action visant à assurer l'accès universel à des transfusions sanguines sûres. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du don de sang, le ministère de la Santé mauritanien a organisé ce 14 juin un workshop des festivités sous le slogan « Don du sang et sois solidaire en partageant la vie ». Dans son intervention à cette occasion, le secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Lamine Mohamed El-Hajj, a confirmé que la commémoration de la journée mondiale se déroule conformément aux orientations du gouvernement mauritanien dans le domaine sanitaire, appelant à la participation au don du sang régulièrement afin d'assurer sa disponibilité dans tous les centres sanitaires. Pour sa part, la directrice adjointe de l'Agence française de développement, Mme Claire Galante-Morati, a encouragé les donateurs du sang et rappelant que l'Agence française de développement est considérée comme l'un des bailleurs les plus importants ayant financé le Centre national de la transfusion sanguine, CNTS. Je me réjouis d'être parmi vous ce matin pour la journée mondiale du donneur de sang, qui est l'occasion de mettre à l'honneur les donneurs récurrents de sang et d'encourager les futurs nouveaux donneurs. L'Agence française de développement est l'un des principaux bailleurs, apportant un appui financier à la mise en œuvre de la stratégie du Centre national de transfusion sanguine, portée avec beaucoup de vigueur par le docteur Ba, directrice du CNTS, et je profite de cette occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour la féliciter pour son engagement sans faille. Nous avons le plaisir de collaborer avec le CNTS à travers le projet TEMEUSE, pour un montant de 8 millions d'euros, soit environ 300 millions de MRU, projet mis en œuvre par Expertise France. Les festivités ont été marquées par la remise des prix aux gagnants du concours d'excellence des donateurs. Ces prix ont été distribués régulièrement aux donateurs au cours des dernières années. Les bénéficiaires de leur part ont exprimé leur appréciation de ces gestes, appelant chacun à faire un don afin de sauver des vies. Il est bon de souligner que la journée mondiale du don de sang, qui coïncide chaque année au 14 juin, constitue, selon certains acteurs du domaine, une importante occasion pour véhiculer la culture du don de sang, qui sans doute reste le seul moyen de sauver des milliers de vies chaque année, en particulier les femmes enceintes, les enfants, les personnes atteintes de maladies chroniques et les victimes d'accidents. Un chapitre plutôt ludique, la sélection nationale morabitoune poursuit ses séances d'entraînement dans la capitale marocaine, Rabat, en vue d'affronter son homologue soudanais dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN. Les entraînements de morabitoune ont commencé depuis le 5 juin avec la participation de seulement 5 joueurs. Il s'agit de Namouri Diaw, Mbakenjaï, Abdelrahman Sar, Abdullah Mahmoud et Demi Selk, tandis que le reste des joueurs étaient
arrivée. Plus tard, El Mami Tetteh a été le dernier à rejoindre le camp de l'équipe nationale à Rabat, lundi soir après la fin de ses engagements avec son club. La sélection mauritanienne de beach soccer s'est inclinée 5-9 face à celle du Maroc. Un match amical disputé ce mercredi 14 juin sur la plage de Nouakchott. Les protégés de Moussa Bakayoko auront l'opportunité de rectifier les tirs samedi lors du second test match. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Les forces de sécurité mauritaniennes renforcent leur technique d'enquête sur le trafic et la traite des migrants dans le cadre d'un soutien de l'Union européenne. Des membres du gouvernement ont commenté mercredi après-midi les résultats du Conseil des ministres qui s'est déroulé plus tôt dans la matinée. Et enfin, la Banque centrale de Mauritanie, BCM, a annoncé jeudi 15 juin la création d'un billet commémoratif de 50 liés à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de la création de l'UDIA du 8 juin 1973. Fidèles téléspectateurs, ainsi sachez cette édition, vous pouvez la revoir à minuit temps universel ou la consulter sur notre page électronique dont le contact s'affiche au bas de l'écran. Notre équipe rédactionnelle et technique, à savoir Fofana Issa et Abdelkarim Djigo, se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne soirée. Merci, à bientôt.